Je viens de la Normandie et je m'appelle Wa Anou Diarra, originaire de Burkina Faso, et musicien et griot, et venant d'une famille de griots. Interface, c'est mon projet actuel solo qui représente d'où je viens et qui représente mon combat d'aujourd'hui en tant que musicien, artiste et le fait, la manière dont je défends mon identité musicale. Ani Tchetouni et à son test micro à Anou Diarra. Mes instruments traditionnels que je joue, la flupule qui est appelée flûte mandingue, le gelingoni qui est un luth, qui s'approche d'un luth, un instrument traditionnel, et aussi le tamani qui est le tambour parlant, tambour de sel, et avec des machines, tout ce qu'on appelle des pédales, des loupères, et donc mélanger tout ça qui m'a donné envie de vous donner ce projet interface. Mes propres instruments que je joue, je les fabrique. Vu que dans ma famille, tout le monde, c'était des musiciens. Donc, et bien sûr, ils fabriquaient des instruments avant. Donc, c'est avec eux qu'on a appris, en fait. Ça, c'est le gelingoni. Ça s'appelle le gelingoni. C'est un instrument typiquement mandingue. Geli veut dire griot. Ngoni, c'est un instrument à cordes, c'est une guitare. Ça, c'est une flûte en fa. Et le bois, c'est le roseau. Et la particularité aussi avec ces flûtes, on joue beaucoup aussi avec la langue et le sous-voix. Et le sous-voix qui nous permet de parler, de mettre des mots. Parce que c'est un instrument parlant, en fait. C'est un instrument qui permet de dire des choses qu'on ne peut pas dire en haute voix. La flûte peul. On appelle le Funta Diallo d'ailleurs. C'est passé les peuls de la Guinée. C'est eux les initiateurs de ces instruments-là. Donc, qui a voyagé un peu partout au monde, qui est devenu très universel. Donc, moi, je l'utilise en utilisant les codes de la musique d'ici et les matériels d'ici, qui sont les codes comme les machines, la musique électronique, le nouveau monde musical, quoi, et de la générationnel, contemporaine, on va dire. Si j'arrive et je te parle à ma langue, en dialecte, tu ne vas pas comprendre ce que je vais dire. Mais si je veux que tu me comprennes, je vais essayer de parler ta langue et parler en même temps, de temps en temps, ma langue pour que tu vois d'où je vais en venir. Et ce projet-là, il identifie tout ça.